Yo, bonjour tout le monde. Aujourd'hui est un grand jour. On va faire la vidéo sur le petit compte, donc sur le compte Arkix. Le compte est actuellement à 96-0. On va faire 4 combats aujourd'hui, donc c'est possible. C'est possible qu'on arrive à 100-0 et ça serait vraiment énorme. Ce serait vraiment un gros accomplissement. On serait super content. On verra bien. Dans tous les cas, on va aller ouvrir des coffres, on va débloquer des trucs, on va lancer les parties et on va espérer que ça se passe bien. L'objectif, pour rappel, c'est de voir un petit peu comment ça se passe sur des zones un peu plus basses en trophées et en étant complètement free to play. C'est parti, let's go. On va déjà ouvrir un peu tout ça. On va refaire un petit récap du compte et après bon, on balance le feu. Après on balance le feu, on balance tout qui va bien. Pour information, l'overlay a un petit peu changé. Si vous arrivez à dénoter les différences, indiquez-les dans les commentaires. C'est une nouvelle version de l'overlay, donc n'hésitez pas à me dire est-ce que vous arrivez à repérer les différences ou pas. Alors on a un petit coffre là, on a rien d'intéressant. Voilà, rien d'intéressant du tout. Là le basique, hein, basique simple jusque là, tout va bien. Coffre en argent, bélier de combat, chevalier, ok. Mais où sont les cartes? Mais où sont les cartes qui nous intéressent? Où sont les boules de feu? Où sont les archères? Où sont les arcs X? Et ben voilà, rien, rien qui nous intéresse. Jusque-là, tout va bien, c'est du basique. On a une nouvelle petite récompense, donc le coffre magique qui avance un peu. Je vais refaire un petit point sur l'état du compte, comme vous pouvez le voir là. On peut monter les archères. Voilà, les archers niveau 10, ça se fait plaisir. L'Arkix, il en manque 6. Il en manque 6 pour le passer niveau 11. Un jour, ça se fera. Un jour, ça se fera. Les petites bûches, on a encore un peu le temps. Boule de feu 10. Et le reste, on est niveau 9. C'est à 3300 trophées qu'on peut commencer à débloquer les Tesla. Donc, j'ai très, très, très hâte parce que je trouve que c'est beaucoup plus fort avec Tesla. Et on est parti, let's go. Ah, on va très bien. Je vous préviens. Préviens, il y a moyen que je parle pas beaucoup. Ah, niveau 9 en face. Main Destroyer. La rage des rednecks. Alors, nous on va juste balancer un petit esprit de glace. Ok, donc une voleuse. Une voleuse, une voleuse. Crois que je vais quand même boule de feu ça. Hein. Ouh là là! C'est dommage, j'ai pas pris de sorcier de glace parce que là il a mis beaucoup là. C'est pas le temps lui. Clairement pas le temps l'ami. Ok, bon. Allez, salut. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a dans son deck pour embêter notre Arkix? On va vite le voir. Hein. Il va risquer une voleuse peut-être? Mini PK, ok. Ah, boule de feu, c'est pas sympa ça. On est obligé de remettre une bûche. Ok. Bon, on a déjà mis le bâtiment en 977, ce qui est pas mal. Il a récupéré ses archères. C'est sa voleuse. Donc on peut la défendre avec les archères et l'esprit de glace. Après là franchement s'il y a juste ça j'ai tendance à faire une TDE. Ouais parfait. Nickel. Alors est-ce que la TDE ça suffit? Ça aurait suffi. Ça aurait suffi, il n'y avait pas besoin de l'esprit de glace. Ouh là là. Mais quel bourrin. Il est sérieux? Il a pas le temps lui. Ok. Honnêtement j'aurais dû l'ignorer et juste mettre un Arkix et mettre des squelettes dessus, ça aurait été beaucoup plus intéressant. C'est pas très grave, on va nous de toute façon remettre l'Arkix. Oh, mais quel bourrin. C'est ouf, il est sérieux. Ah ouais il a pas le temps lui hein. Ah il remet un sorcier glace, oulala. Bon bah voilà. Voilà. Ok, l'Arkix qui connecte, qui va mettre des bons dégâts, même s'il a mis une boule de feu, évidemment, ça va pas faire si mal que ça. Nous, on a apporté de BDF, donc là, on peut aller recycler tranquillement le deck. On va attaquer à droite, hein, simplement. C'est parti. Là, il y a de quoi def, hein, donc on n'a pas besoin de mettre plus. Le golem de glace sera largement suffisant. Juste remettre des squelettes par là-bas. Là, on va remettre un golem de glace ici pour protéger les demoiselles. Bûchette, squelette, golem de glace. Alors, nous on a déjà pris l'autre côté. Oh là là, il reforce. Mais quel grand malade! Mais quel grand malade! Ah, je vous jure. Bon, allez, on va finir ça avec la bûche également. On va prendre la deuxième tour. Eh ben, lui il avait faim. Notez son degré de faim, le degré de faim de l'adversaire dans les commentaires. C'est important parce que. Lui, il avait pas mangé, il a pas mangé de victoire depuis 3 jours, je crois. Allez, 97-0, let's go, on est parti. C'est pas mal tout ça.
Petit coffre, allez, on commence à le débloquer. Ah, on débloque deux géants gobelins! Oh là là là, on se met bien! Ça va nous être très utile tout ça. Allez, on est reparti. Alors, Terence, niveau 9, nous on a l'Arc-X, l'Esprit de glace, la bûche et la boule de feu. On va sûrement faire un petit cycle Esprit de glace, comme ça on récupère notre golem de glace derrière. Alors, PK, d'accord. Bon, vu que j'ai pas la TDU, je vais juste faire ça. Je suis pas sûr que ce soit ultime, j'aurais dû juste kite golem de glace, je pense, mais bon, c'est pas grave. Allez, viens là. Ok. Bon, le problème, ouais, c'est ça, c'est qu'en x1, quand vous mettez des Arc-X défensifs, bah, on peut quasiment pas en remettre un deuxième. Ça ressemble pas à grand chose. Voilà, bon là, hop, des vies. Bon, au moins il a claqué la voleuse, ce qui est déjà pas mal. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir reposer un Arc-X. Et là, ça va être assez sympa. On est parti. PK. Ok, PK. Oh, je l'ai mis haut. Je voulais pas y mettre aussi haut. Non, je suis raté. Je suis raté, c'est triste. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Ok, maintenant il va falloir remettre une voleuse ou une armée de squelettes. Ok, c'est parfait, l'armée de squelettes. Ça nous va. Ok, zap. Il t'en prend un peu, mais du coup on reprend un bon avantage en élixir. Là, il pourra nous remettre une voleuse derrière, mais on a le golem de glace. Voilà, bon, ce qu'il décide de faire. Très bien. Mais je crois qu'on va pouvoir re-Arc-X. On se prend deux coups quand même. On aurait pu l'éviter peut-être un peu ça. C'est pas très grave. Hein. Là, on va remettre l'esprit de glace, comme ça, ça va aller regratter les gargouilles. On a pris le bâtiment, et là, on est bien. J'ai un chat dans la gorge. Mais non, pourquoi j'ai un miaou dans la gorge? Ah. J'ai tenté de le mettre à temps, mais ça va pas passer. Ça va pas passer, j'avais pas assez d'élixir pour. Donc, il a une sorcière. Nous, on va sûrement mettre un Arc-X défensif. Allez, on va mettre un Arc-X défensif. C'est parti. Oulala! Ok. Bon, on est reparti sur l'Arc-X offensif alors. Dès que tu prends la gros, toi tu prends un Arc-X offensif. Voilà. Ok. Oh là là, ça a découpé. Oh, c'est dur pour lui. Honnêtement, là il peut plus rien faire. Et là il est déjà trop en retard. On va remettre un petit esprit de glace. On va reprotéger avec les archers. Ou alors on re-Arc-X. Ah, c'est pas mal ça. C'est fun ça. Est-ce qu'on aura le temps? Double Arc-X sur la tour. Regardez-les. Oh, le double Arc-X qui régale, oh mon dieu. Le double Arc-X qui a fait tellement mal. Ils ont fait tellement le travail. 98 victoires, les amis. Plus que 2. 2 et on le 100-0, ça serait vraiment énorme. Ça serait juste magique, quoi. Ça ferait trop plaisir. Et 2899, on approche aussi hein, des trophées. On monte petit à petit. Bientôt, on pourra débloquer la Tessa et compagnie. Ça va être pas mal. Ah oui, il a déjà un passe royal débloqué, lui. Ah oui, d'accord. Ok, bah il risque d'avoir des bons niveaux de cartes. Hein. Lui, c'est un moyen que ce soit notre bourreau, lui. Hein, clairement. On va juste lui laisser une boule de feu pour l'instant. Niveau 9, sa sorcière, quand même. Ok. Ouh, on défend. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre dans son deck? Une Tesla. Oulala, ça coûte cher, ça. Bon bah c'est parti hein. Armée de squelette. Armée de squelette mec. Armée de squelette. Non, y'a pas ça. Oh, je l'ai raté. Oh, le golem de glace tout pété. Oh non. Oh non. Il était tout nul. Oh, ça va kiffer ça hein. Heureusement parce que... Je sais pas si c'était pas mieux de mettre une bûche hein. Je sais pas. Honnêtement je sais pas. Bon les deux se valaient je pense. Donc il a bien une armée de squelette dans sa... Oulala. Non mais fais ça par contre. Mais pas un chasseur là, me donne pas un chasseur mon ami. Non, non, me donne pas un chasseur mon ami. Ok, juste bûche là du coup, juste bûche défensive. Bon d'ailleurs on va repartir en Arc-X offensif à droite, j'attends juste à récupérer un tout petit peu d'Elex. C'est parti. Oulala, oh, c'est cher ça. Ok, qu'est-ce que tu vas faire à droite? Tu vas avoir le défendre, c'est obligé. Ok.
Je vais laisser collecter sur l'Arkix, hein, c'est pas très grave. Oh, j'ai des aux archères, voilà. Hop là. On est légèrement derrière en Elex, donc il a la sorcière, etc. Je pense qu'il a la sorcière format. Oula, mais non. Non, non, fais pas ça. Fais ça. Bon, bah, partir, hein. C'est parti Arkix, hein. Ok, bûcheron. Allez, bûcheron, je sais que t'as envie de bûcheron, là. Non, ça suffira pas, ça suffira pas. C'est un Arkix tanky, c'est un Arkix fort. Un Arkix beau. Ah bah, je crois qu'il a rage kit. C'est possible qu'il a rage kit, hein. C'est possible, à tout moment. On va vite le voir, hein. Non, c'est pas pour le pass royal, hein, donc on donne tout, évidemment. Vite, vite, faut remettre un tank. Oui. Les archers, l'esprit glace, oui. Le rosique des archers. Et on tombe sa tour du pass royal, et ça, ça fait plaisir. La petite tour du pass royal qui va tomber là. Pou, 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 pou. 99, les amis, plus que une. Une! Une pour le chiffre symbolique des 100 euros, ce serait vraiment énorme. Ce serait insane. Le petit coffre en argent qui est débloqué. Et on débloque en plus un autre coffre du pass royal 50 gemmes, ce qui est pas mal quand même. C'est pas mal du tout les petites gemmes sur la route des trophées. Alors, ok, palier débloqué. Palier débloqué. Pas mal, esprit de glace. Un truc qu'on utilise. Du géant. On en a combien de géants, what the fuck? 125 quoi. 125 géants, vous vous rendez compte? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, on donne tout. On donne tout pour celle-là. Gélan, Vietnam classique. Alors, on n'a pas l'archer sur un départ, ça c'est un peu chagrin. On va aller recycler les archers peut-être. Bon, on va déjà recycler l'esprit de glace. Après, ce sera les archers. C'est parti. Ok. Baby Dragon. Ok, tour de l'enfer. Alors, un ballon. Est-ce qu'il joue zap aussi ou gel ou un truc comme ça? Ok, gel. Bon, là, il n'y a pas besoin de mettre plus. Il a mis super cher. Ça lui a coûté trop cher son gel. Alors, du coup, quand l'adversaire, il met un gel tout pété en x1. Le moment où l'élixir est le plus précieux, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, les amis? Voilà. Hop, 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 hop. Fini la tour, et aide-moi, tu es mini PK. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, non. Balle mon gel en x1, c'est 9 d'élixir. Juste sur une tour de l'enfer, ça fait cher. Ça fait cher. Et du coup, ça peut être compliqué, hein, évidemment. Allez, je mets comme ça. Voilà. C'est pas en fiche. Saute dessus si tu veux. Est-ce qu'il a encore son gel ou un truc comme ça? Je pense pas qu'il l'ait dehors à ses élixirs. Parce que ça coûte 7 quand même le mégamètre. Ouh là là. Ça coûte cher ça aussi. Bon bah. Là c'est parti, hein. On est reparti. De toute façon, Clash Royale, l'adversaire claque un peu d'élixir, vous punissez, hein, simple. Basique. Alors là il va ballon, horde, ok. Horde. Oh là là, les dégâts qu'on a mis. Oh, oh les dégâts. Mon dieu, c'est pas vrai quoi. C'est violence. C'est cette violence absolue. Y a pas d'autre nom. Ok, donc toi tu vas revenir là par contre. Tu peux mettre le jet si tu veux, au pire je mettrai une boule de feu, moi ça me gêne pas. Allez, tiens, je mets une boule de feu pour la forme. Toi tu vas venir là. Ok. Toi tu vas perdre un peu de temps là-dessus. Et là-dessus. Et après tu peux mourir. Voilà. Il lui reste Mega Knight. Il a un Mega Knight, est-ce que je fais le fou? Allez, on va pas faire le fou. Parce que si je fais un Arkick chez lui, bon bah voilà, il va mettre un Mega Knight dessus, ça va être chagrin. Autant la jouer relativement safe et respecter un peu l'adversaire. Bon, un petit peu, hein, pas non plus. J'ai envie de récupérer de nouveau un Golem de Glace juste pour lui montrer que je peux en mettre à l'infini. C'est tellement fort. C'est tellement fort les Dextics, c'est hallucinant quoi. Et voilà, et voilà. Et le petit 100-0 qui passe. Ah, ça fait grave plaisir. Bon, j'espère que vous avez kiffé également. Je mets à jour tout de suite le score, là. Bah, alors, le but, à la base, c'est pas de faire un compte hardcore non plus, hein, mais c'est de, bah, justement, comme je l'ai dit, hein, de jouer avec un compte free-to-play, de voir comment on peut le maxer, comment on peut évoluer, comment on peut jouer en étant purement free-to-play, en se donnant un objectif donné avec un compte qui se maxe plutôt bien en étant free-to-play. Oh, un coffre. Oh, imagine, on a des archers ou la boule de feu, là-dedans.
Imaginez, hein, parce que 176 géants. Ah bah voilà qui est pas mal, 176 géants, ça fait plaisir. Géant PK, machine de l'Antarctique Royale. Ah bah on se met bien. Ah bah c'est sympa d'être E2Fly. Bon allez, en tout cas on n'est pas très loin, on sera pas très loin des 3K, et ça fait plaisir également, on aura une nouvelle arène, on approche également les 3300 de l'arène de la Tesla. J'espère évidemment que vous avez kiffé, que vous avez passé un beau moment. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et surtout prenez soin de vous.